Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est sa première télévision en France. Je vous demande d'acclamer Mr. Aloé Black. 1, 2, 3, 4. Building me, loving you.
I'm your king. You don't make me feel like anything. Now I never knew you'd be so evil. Ha! How did you get to be so evil, girl? Now you telling people I was bad to you. You don't know what you're talking about. Hear me when I say you can't just do whatever you want, girl. Loving you is killing me. Feel me, loving you is aching me sadly. You know it should be making me happy. Loving you is like a twisted game, where the only thing I win is pain. Loving you is hurting me. Every word you say, you murder me. Come on, stop, children, what's that sound? Look at my heart all over the ground. Stop, children, what do you see? Why you keep shooting at me? Now I never knew you'd be so evil. How did you get to be so evil, girl? Now you telling people I was bad to you. You don't know what you're talking about. Hear me when I say you can't just do whatever you want, girl. Get a drum or something one time. Loving you is holding me back. Why the hell you make me feel like that? Loving you ain't worth all the suffering. In return, you never give me nothing. Here's the news about loving you. Well, it's something that I used to do. Je crois qu'on n'a pas vu de telles performances depuis, je sais pas moi, James Brown. Mon Dieu, mais t'es un vrai danseur. You've been an MC in bands. Tu as été MC dans des groupes Eminem, tels que Emanom, et non pas Eminem, or ou encore Ono. Yeah, tu as l'air d'être très à l'aise dans tous les styles musicaux. Comment es-tu venu à la soul? Well. You know, soul music is always. Vous savez, la soul, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et je savais que je savais chanter le soul. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais enfin, en tout cas, jusqu'à ce que la maison disque Stormstrom m'a demandé de constituer une équipe. Et ils faisaient de la super soul. C'est un super bon label. Stormstrom, c'est un très bon label. Top notch. Ce sont effectivement les meilleurs. Donc, on a créé ce groupe et voilà, voilà le résultat. Et c'est probablement quelque chose que j'aurais pu faire il y a longtemps, mais bon, c'est, le moment est arrivé pour le faire maintenant pour ce public merveilleux. In your album, dans ton album Good Things, tu dresses un inventaire musical de nos sociétés modernes. Tu as décidé de faire passer ta vie personnelle à l'arrière-plan. Non, en fait, non, ma vie privée, elle est présente. Quand je dis « I need a dollar », c'est comme si quelqu'un avait un job qu'il a perdu. Ben, moi, ça m'est arrivé, ce genre d'histoire. Il y a un autre single, « Take Me Back ». Je parle encore de choses personnelles qui me sont arrivées vraiment. Donc, non, ma vie personnelle, elle est présente. Elle n'est pas en arrière-plan, elle est à l'avant-scène. « I need a dollar » est le générique d'une série aux États-Unis qui s'appelle « How to make it in America », « Comment réussir en Amérique ». C'est vrai. It's a kind of tribute. C'est un peu un hommage rendu à l'Amérique des désillusions. Alors je te pose la question, comment réussir dans l'Amérique d'aujourd'hui ? Pour réussir en Amérique, il faut être honnête, il faut y croire. Il y a tellement de gens qui mentent, qui volent, qui trichent, des hommes politiques qui font toutes sortes de choses illégales. Non, il faut traiter les gens correctement et c'est comme ça qu'on réussit. On n'a pas besoin d'être riche, on peut très bien être pauvre et réussir quand même.
Tu revendiques des influences inattendues, de Oprah Winfrey jusqu'à Jean-Paul Sartre. Tu aimes les esprits brillants et les grandes gueules? Je crois que tout le monde a un cerveau, tout le monde réfléchit. Même les gens qu'on pense être bêtes, ils ont une forme d'intelligence et souvent ils disent des choses très intelligentes qu'on n'attend pas. Je crois que c'est important d'avoir une grande gueule quand on peut aider quelqu'un à ne pas faire de bêtises parce que vous, ça vous aide déjà. Et puis aussi parce qu'on sait qu'on pourra peut-être aider les autres. Parce que sinon, si on n'a rien à dire, évidemment, il vaut mieux se taire. Si comme les chats, les artistes ont sept vies, laquelle vis-tu en ce moment? Je crois que j'en suis à ma toute première vie, là. Et puis non, c'est vrai, je crois que les artistes ont beaucoup de vie. Moi, j'ai vu des artistes qui sont apparus, qui ont disparu, qui sont revenus pour faire des choses, pour faire mieux. Je crois que les gens veulent réussir, mais ce que le public attend, c'est quelque chose de droit, de juste, et dès qu'on fait quelque chose de droit et de juste, sa vie est infinie. Merci, Aloé. On te souhaite vraiment le meilleur, plein de bonnes choses. Et rappelez-vous, l'album sort le 27 septembre. Il s'intitule Good Things. Et c'est vraiment une bonne chose. Merci. Merci beaucoup, Aloé. C'est tout l'album qui est généreux, enthousiaste, parfois mélancolique, mais qu'on écoute en boucle. C'est vraiment bravo. Il y a une phrase sur l'album où vous dites qu'il y a un hommage en l'honneur de ceux qui vous ont ouvert le chemin. À qui pensiez-vous quand vous avez écrit cette phrase qu'on trouve là, sur l'album ? Les artistes auxquels je pensais sont Al Green.